abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Qui sera le grand gagnant de cette 12e saison de Danse avec les Stars? Après le départ de l'influenceuse Léa et lui la semaine dernière, la compétition se resserre, alors que les binômes restants disputeront ce vendredi 4 novembre la grande demi-finale. Qui de Data Link People égale A41 EB 58 à 4844 à 40 BD App 60 à 985 0 C 00793 Stéphane Legard, Data Link People égale à 18087 F9 à 8533 à 439 C à 94 à 85 FC 7 DD 9 F3 Z Carla Lazari. Data Link People égale à AE 366945 à 25 BA 4 A 3 A 8 C 2 A 4e 73 E 38 C Thomas Da Costa ou encore Billy Crawford décrochera son ticket pour la finale qui aura lieu la semaine prochaine. Coaché par Matt Pokora, le tout premier gagnant de l'émission. Les quatre couples restants ne laissent rien au hasard et répètent des heures durant pour assurer le show. À commencer par le leader de la compétition, Billy Crawford. Depuis le début de la saison, le chanteur philippino-américain fait partie des grands favoris, et scatte la tête du classement toutes les semaines. Pour le plus grand plaisir des internautes et des jurés, la participation de Billy Crawford à Danse avec les Stars marque avant tout son grand retour en France après des années d'absence. Lui qui avait décidé de rentrer aux Philippines en 2007, épuisé mentalement et physiquement. « Je n'ai dit au revoir à personne quand je suis parti. J'ai eu un trop de trop. Virgule, j'ai fait un burn-out, oui, j'ai pété un câble. J'ai déjà eu des pensées suicidaires. Je n'arrivais pas à gérer le stress du travail, de la famille. Je n'arrêtais pas. Je buvais de l'alcool toute la nuit, je fumais beaucoup », a-t-il confié dans les colonnes du Parisien. Malgré son départ, son attachement pour la France n'a jamais faibli, et le chanteur de 40 ans a donc décidé de retrouver son public par le biais de Danse avec les Stars. L'histoire avec votre pays n'était pas finie. Je l'aime énormément et je crois que c'est réciproque, a-t-il ajouté. Pour intégrer l'émission, Billy Crawford a mis toutes les chances de son côté, en faisant notamment appel à une célèbre danseuse du programme, comme l'a confirmé son agent. Cela n'a pas été si facile que cela de l'inscrire à l'émission Data Link People égale à S1BF206B4CD à BB63A53283DF80M8 Inès Vandamme nous a beaucoup aidé, car elle y croyait. Manque de peau, le Covid est arrivé, a-t-il déclaré. Les étoiles se sont finalement alignées pour Billy Crawford une fois la pandémie maîtrisée et l'émission relancée. Lui qui pourrait bien devenir le 12e gagnant de Danse avec les Stars.